Eh oui, 19h, tu es bien dans le stream de l'acceptation. L'acceptation de toi, l'acceptation des autres, et aussi l'acceptation de la défaite. Puisqu'aujourd'hui, on va se faire un shmup historique, puisqu'il date des années pré-90, hein, je crois qu'il est sorti vers 88. C'est R-Type, le fameux R-Type. Et beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi, en plus de 300 numéros, je ne l'avais toujours pas streamé. La raison? Bon, elle est relativement simple. Vous connaissez ma passion pour le... Pourquoi je rigole? Oui, bah parce que je l'exprime. Ma passion pour le shooter horizontal. Oui, je déteste ce genre. Et si je déteste ce genre, c'est en grande partie grâce à R-Type. Parce que c'est par ça que j'ai découvert que la pratique du shooter horizontal demandait davantage de mémoire que de réflexe, hélas. Et donc, j'ai dû quand même admettre que c'était quand même pas vraiment ma tasse de thé. Enfin, quoi qu'il en demeure, R-Type est un excellent titre, avec une difficulté assez corsée qui va beaucoup faire travailler votre neurone de mémorisation. Et puis un gameplay qui est quand même assez souple pour arriver à faire de l'acrobatie et s'en sortir sans connaître par cœur le jeu. Sans plus attendre, on fonce dedans. Alors, petite particularité qu'introduit R-Type, c'est son fameux bouclier. Bouclier qui a déjà l'avantage de vous protéger, hein, c'est le but d'un bouclier à la base, je crois. Mais qui peut aussi servir à faire des dégâts, puisqu'on peut propulser ce même bouclier sur la gueule d'ennemi un peu retors. L'autre chose qu'il introduit qui est sympa, c'est le tir chargé. C'est-à-dire, si vous gardez votre bouton tir appuyé, et oui, vous pouvez tirer de manière beaucoup plus dense. Et puis viser l'ennemi, hein, comme je fais pas exactement. Hein. Soit humble, fais le pénitent, comme disait Mr. Jones. Alors, je vous promets pas qu'on va voir beaucoup du jeu, parce que j'étais une burne à l'époque, donc je vois pas pourquoi ça aurait changé. Hein. Et oui, une burne ça vieillit, mais ça devient pas juste une burne. Comment ça, je m'auto-flagelle? Oui, un petit peu, mais bon. Ouais. Reviens, bouclier, reviens, con de bouclier, reviens, con de bouclier, j'aurai besoin de toi. Comment ça, j'ai de bourrez. Ah, non, j'ai pas de bourrez parce que je vous garantis que R-Type. Je sais pas justement quel niveau je suis allé sans cheater. Parce qu'à l'époque, moi j'avais récupéré la version Amiga. Et... qui était fort bien faite d'ailleurs. Et je crois que j'étais allé jusqu'au niveau 3 sans cheater. Mais après, j'ai cédé à la facilité et à toutes ces petites choses qui font que la vie peut être plus sympa. Et le premier boss, tout le monde s'en rappelle du premier boss, parce que personne n'avait vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Une créature à moitié échappée de l'alien, avec un air super pas commode des familles. Ce n'était pas très malin, hein, Dr. Jones. Comment ça, tu n'es toujours pas bon en 2018? Peut-être. Je vais peut-être m'arranger de me progresser, hein, ça va. Oui, il me faut au moins le... Je peux pas avoir le bouclard, parce que là je me sens un petit peu, comment dire... Permettez-moi l'expression, à poil. Ça va mal se passer pour moi, maintenant un passage qui se passait bien va devenir juste pénible et chiant et douloureux, et chiant et pénible et douloureux, j'ai raté mon bouclier, je suis super malheureux, je vais mourir devant le boss comme une grosse dingue que je suis, même pas, parce que j'aurai pas le temps de me voir. R-Type-moi. C'est une grande histoire de haine. Je te déteste, ça joue. Non, le jeu est très bien. C'est juste, c'est pas mon gameplay. Voilà. Changez-moi le sens d'écran. Mettez-moi un challenge autre que esquiver des corps. Eh ben oui, là je m'entendrai plus avec le jeu. Mon bouclier. Deuxième fois que je... À cause de ce connard de robot là. Robot raciste, je vais t'appeler. Est-ce qu'on va rester une défaite? Sur une défaite? La suite après la pub.
détail. Comment ça, je recommence pas du début? Bah oui, je... Ça fait... Oui, 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 oui. Mets-toi direct dessus. Oui, 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 c'est bon. Yes. Stratégie payante. Complètement bourrine. Et là, j'ai enfin... Ah, libéré. Libéré Kratos. Espèce de connard intergalactique, va. Va-t-on pouvoir discuter avec cet animal qui m'a l'air fort remonté? Eh bien, la suite après la pub. Comment ça, il y a encore de la pub? Bah oui, mais... Faut que je rentre de l'argent, les enfants. Alors, ça descend. Hop, ça va droit, ça monte. Bon. Je me méfie. Je sais pas quand il tire tout droit, quand il tire pas tout droit. Il se rapproche, il vient droit sur moi. Le fumier. Range ta grosse queue. C'est du harcèlement sexuel. J'arriverai pas à flinguer le premier boss. Je ne remets pas de crédit après ça. Non, 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 c'est tout à fait négatoire, comme dirait un certain kangourou célèbre. Salutations à toi, ton girl. Allez, salut. Non, t'as dit que ça se passerait mal. Donne-moi le bonus, donne-moi ce fucking bonus. Je veux le bobo, je veux le ninus, je veux le bonus. Oh, c'est vraiment pas mon style de jeu. Je suis malheureux. Ah, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse comme mon vieux ami pour arriver à lui pulvériser la gueule. Eh ben en fait c'était con comme chou, il fallait faire des tirs concentrés dans sa face. Ok, j'aurais dû me taire pas vous donner l'astuce que vous en baviez au moins autant que moi si vous ne connaissiez pas le titre et aviez l'intention de l'essayer. De là à dire que c'est encore de la mémoire, bon non 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 pas du tout. Où sont les copains? Ah les copains qui se cachent là, regarde. Je t'ai vu little canaillou. Donne-moi mon bonus, voilà, va chercher ton... Ce qui rime avec. Il suffit de les déclencher et ça devrait à peu près se passer bien. Ah, quelle panique mes amis. J'aimerais bien avoir une super bombe en fait, quelque part, maintenant je me dis. Mais c'est jamais trop tard. Pourquoi tant de haine? Je vais me manger le décor, je sens, ça va pas rater. Alors profitez-en bien, regardez bien ce stream au ralenti parce que c'est la seule fois où vous me verrez passer ce décor sans me cracher comme une pathétique grosse boule. Moi ça. Alors là ça va commencer à être la panique parce que va y avoir la chenille qui va commencer à vous tourner autour, plus les machins qui sortent d'en dessus, qui sortent d'en dessous, qui sortent du milieu, qui sortent des côtés. Comment ça j'en rajoute? Bah oui mais il faut que je rende la soupe moi mon gars. Il y a personne qui est sorti, oui c'est vrai. Mais il n'est jamais trop tard, regarde. Donne ta tête. Que dalle, ils sont fous. Et ils se foutent de ma gueule. Alors il y a des endroits précis où se positionner pour que ça se passe plus ou moins bien. Genre pas où j'étais. On avait dit quoi? Le t-shirt s'écrit quoi dessus là? Lis bien. Pas. Par. Eh oui. Alors, récupérer le bouclier, je sens que ça va être une galère. Voilà pourquoi je n'aime pas les scrollers horizontaux. C'est cette méchanceté gratuite de repartir avec un QQQ et d'attendre désespérément cet instant très lointain où le bouclier ou le bonus de tir va revenir. Pour avoir une chance de s'en sortir sans faire des figures géométriques, bon, acrobatiques plutôt, de haute volée. Allez, rentre dans ton petit machin, va à la niche, comme Morissette. Eh oui, je
t'es obligé de la faire celle-là, c'est vraiment obligé de quoi. Non. Non. J'avais un début d'idée, j'ai pas eu le temps de le faire. Et là, tu m'enroutes ton action replay. Comme ça, tu peux avoir les quelques secondes précédentes et repartir avec ton armement en plus. Je ne dénoncerai pas un certain Fred, hein, mais... Bon, faut dire qu'il essaye de faire les jeux jusqu'au bout, hein, y compris les injouables que j'oserais jamais toucher de ma vie. Donc on peut pas lui en vouloir de cheater un peu. Voilà, c'était R-Type, le légendaire R-Type. Si vous aimez les shmups, c'est un jeu rétro qui a pas trop mal vieilli, à part ces gros pixels qui ont tendance à ressortir et déborder un poil de l'écran, qui a une difficulté, comme je vous l'ai dit, bien corsée, et qui pourra vous occuper pendant de longs moments, parce que avant de le maîtriser, je vous garantis, vous allez en faire des parties. Je vous laisse avec les playlists habituelles. On se retrouve demain à 19h, même endroit. Pensez à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et puis, faites tourner la chaîne aussi. Ça peut être sympa. Ciao. On entend super le ventilo du PC ou c'est moi ?